Pour remplacer vos toilettes, nous vous conseillons de changer le pack WC complet. Il comporte tous les éléments nécessaires, une cuvette et un réservoir, avec une chasse d'eau à deux touches. Première étape, coupez l'eau. Ensuite, dévissez l'écrou extérieur du robinet de chasse afin de libérer le réservoir. Sur l'ancienne installation, on commence à dévisser les boulons et les vis qui maintiennent la partie basse de la cuvette au sol. Bon, bah maintenant que c'est dévissé, il n'y a plus qu'à retirer le pack WC. Bah vas-y. Protégez votre sol avec des serpillières et enlevez l'ancienne installation en déboîtant la cuvette de la pipe de raccordement à l'évacuation. Donc là, on va vider les WC dans le seau. Avec un détergent ménager, on nettoie soigneusement la pipe de raccordement. Avant de positionner la nouvelle cuvette, nous allons enduire le joint de savon liquide ou de produit de vaisselle qui va permettre d'introduire facilement l'évacuation de la cuvette. On présente, puis on emboîte la nouvelle cuvette dans la pipe de raccordement. Ah ben c'est parfait. On repère au crayon les trous qui viendront accueillir les vis de maintien de la cuvette au sol. Pour percer les trous, dans un sol en béton, utilisez un marteau perforateur et un fouet adapté au matériau. Je te passe les chevilles, mais comme tu constates, ce sont des chevilles qui prennent aussi la cuvette en même temps. Ça veut dire que plus tard, la tête de vis sera cachée par un petit clip qui sera fixé sur la cheville. Une fois les chevilles emboîtées, dans les trous précédemment percés, serrez les boulons fermement avec une clé plate. Enfin, clipsez les capuchons de protection sur les têtes des boulons. Et nous allons maintenant installer le réservoir sur la cuvette. Pour cela, suivez bien la notice du pack WC. Pour ce modèle, on insère dans le fond du réservoir deux vis longues maintenues par des écrous plastiques. On réalise l'étanchéité avec un gros joint qui ira serrer les deux éléments. Là, on le cale ici. Le réservoir est maintenant prêt à être installé sur la cuvette. On assure le blocage de l'ensemble avec des vis papillons. Il a déjà le joint caoutchouc. Inutile de forcer, commencez à visser l'écrou de l'alimentation d'eau à la main. Terminez avec des petits tours de clé. Après avoir remis l'eau en fonctionnement, ouvrez le robinet d'alimentation et laissez le réservoir se remplir. À cette étape, vous pouvez régler la hauteur de la chasse pour ajuster le débit d'eau. Après avoir testé notre nouvelle installation, on pose l'abattant. Reportez-vous à la notice d'installation de votre pack WC. Et ben voilà. L'utilisation d'un pack WC complet nous a beaucoup facilité l'installation. En résumé, nous avons coupé l'arrivée d'eau, libérer et démonter l'ancien WC, nettoyer et enduire l'intérieur de la pipe d'évacuation, fixer la cuvette au sol, réaliser l'étanchéité de deux éléments avec un gros joint, emboîter et bloquer le réservoir sur la cuvette, raccorder l'alimentation en eau, remplir le réservoir et tester le mécanisme chasse d'eau, et enfin, poser et fixer l'abattant. Retrouvez toutes les fiches pas à pas en magasin sur weldom.fr.